Bienvenue sur le Labo des Réseaux. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un modèle, un design de vêtements avec Canva. Sur Canva, vous allez pouvoir créer vos designs sur différents modèles de print on demand. Vous pouvez tout simplement, en allant dans Créer design et marquer par exemple hoodies ou t-shirt, sweatshirt, trouver exactement ce que vous souhaitez, ou vous pouvez retrouver l'ensemble des prints en demande dans modèle en allant dans impression personnalisée, et vous aurez ici tout ce qui est du vêtement en passant par la tasse et même au-delà des vêtements, des pancartes, des cartes et invitations, en passant par tout ce qui est lié au marketing comme les cartes de visite, les flyers, les affiches, les brochures, énormément de choix. On va pas s'éparpiller, on va rester dans notre création de vêtements en créant par exemple un sweatshirt. Donc vous voyez, à chaque fois on a les dimensions qui sont marquées juste à côté. Ici, plusieurs possibilités. Soit on part de designs qui sont déjà préexistants. Exemple ici, avec les copines de la mariée, si on voulait créer en recto verso des t-shirts pour un EVJF. Mais bien sûr, on peut partir de zéro et créer notre sweatshirt personnalisé de A à Z. Et on pourra le faire notamment en utilisant les différents éléments de design de Canva. Par exemple, si on recherche un t-shirt à faire sur la pétanque, on peut choisir le design qui nous correspond le mieux. Exemple celui-ci. Et pourquoi pas ajouter à celui-ci un texte en allant dans texte, ajoutant un titre comme ceci. On va ajouter un deuxième. On sélectionne les deux. On va changer la police pour prendre quelque chose de plus sympa. Agrandir et même faire un effet en courbe. Léger à 60. Ici, la même chose. Dans l'autre sens, à 60 aussi. On va agrandir un petit peu plus. Donc vous voyez ici, c'est bien la zone d'impression qu'on est en train de travailler. Et quand on ira dans imprimer sur des suites, on peut se rendre compte de notre design juste ici. Donc là, on est sur un suite noir, on voit pas grand chose. C'est pour ça qu'il faut peut-être passer l'écriture en blanc. Voilà ce que ça nous donnerait. Donc là, on a le recto. On peut aussi ajouter, si on le souhaite, un verso, rajouter une page ici. Et remettre un nouveau design, comme par exemple le bouliste qui est juste là. Et à ce moment-là, sur le verso, on sélectionnera la page 2, ce qui nous donnera ceci. Donc vous voyez, ce qui est bien, c'est que moi j'utilise la version pro, donc j'ai accès à tous les designs et toutes les polices sur Canva. Bien sûr, vous pouvez utiliser la version gratuite, mais par exemple, des designs comme celui-ci, ils sont seulement accessibles en pro. L'occasion pour moi de vous dire que si vous souhaitez utiliser Canva Pro, eh bien, vous trouverez un lien dans la description qui vous donne accès à 45 jours d'essai gratuit. Comme ça, vous pouvez voir si vous en avez vraiment l'utilité avant de vous engager. Donc là, on a vu si on voulait créer un t-shirt de A à Z avec les propres designs. Mais on peut faire aussi avec notre propre logo. Pour cela, je vais créer un nouveau design, on va faire par exemple un hoodies. On va aller dans importer et vous allez importer votre propre logo. A noter que si vous n'avez pas de logo, vous pouvez créer votre logo de A à Z. Sur Canva, je vous renvoie au tuto suivant. Donc ici, on va ajouter notre logo. On le redimensionne sur la zone d'impression. Et la même chose, si on regarde ce que ça nous donne. Voilà ce que ça ferait. A noter que, vous voyez, on peut aussi le mettre seulement sur la partie droite ou sur la partie gauche de notre hoodies. On peut le mettre au milieu, en bas, ou faire en sorte qu'il occupe toute la place. Par exemple ici, ce qu'on va faire, c'est que on va le mettre juste ici. Ensuite ici, n'oubliez pas de choisir le style, donc bien adulte ou enfant ou tout petit, vous avez le choix. Vous pouvez choisir la couleur parmi celles qui sont disponibles. Nous, par exemple, on va choisir en noir. Donc, vous voyez, hein, sur le hoodies, on n'a que 3 couleurs disponibles. Mais si, par exemple, on passe sur un t-shirt, on aura beaucoup plus de couleurs disponibles. Donc là, sur le sweat, on va sélectionner en noir. On va sélectionner notre taille. Et à savoir aussi, pareil, si on rajoute des éléments, eh bien, le prix aussi augmente puisqu'on rajoute de l'impression. Notre hoodies est prêt, on n'a plus qu'à passer au paiement ou ajouter à la commande si on veut en commander plusieurs. A noter aussi que vous aurez des prix dégressifs si vous en commandez plusieurs. Par exemple, si vous commandez pour un événement
pour un club, etc., etc., vous aurez des réductions qui peuvent être intéressantes à partir d'un certain montant de commande. On a donc effectué la commande de notre hoodies pour se faire plaisir, mais maintenant, est-ce qu'on pourrait pas utiliser Canva pour créer d'autres modèles et les vendre sur un site de print en demande ? D'abord, on choisit un site de print en demande. Ici, on va passer par Spreadshirt. Si tu souhaites créer ta boutique de print en demande gratuite sur Spreadshirt, je te renvoie au tuto suivant. Dans notre design, on va nous demander d'importer celui-ci. Ici, les consignes sur Spreadshirt, ça peut changer selon le site de print en demande. C'est soit d'importer dans les formats PNG, JPEG, BMP, GIF, avec une taille maximum de 10 MO, une résolution minimale de 200 dpi et une taille maximale de 4000 sur 4000 pixels pour l'impression, ou tout simplement en format vectoriel, avec les consignes suivantes, pour pouvoir avoir un bon design et ne pas avoir de soucis de résolution. Donc en passant par Canva, plusieurs solutions. Soit vous partez directement de votre modèle t-shirt, on va en recréer un avec notre boolist Je peux pas GP Tank. On va cette fois-ci ne pas aller dans imprimer mais aller dans partager et on va pouvoir télécharger notre design. Alors vous voyez que ici on est 1556 sur 2000, la taille maximum c'est de 4000 sur 4000, donc soit on va augmenter la taille ici en choisissant un format JPEG PNG, ou sinon on pourra tout simplement créer un design en dimension personnalisée et directement mettre 4000 sur 4000 pour pouvoir mettre notre boolist au milieu, voilà comme ceci. Ou tout simplement on peut passer, si on a la version pro, par le format vectoriel et ainsi on aura un design en haute qualité. A noter aussi qu'il faudra télécharger le design avec un arrière-plan transparent, car sinon, eh bien, ça nous donnera quelque chose comme ceci. Nous, ce qu'on veut bien, c'est un arrière-plan transparent. Encore une fois, l'arrière-plan transparent, il est seulement disponible avec la version Canva Pro. Sinon, ce qu'il faudra faire, c'est télécharger une première fois le design et passer sur un site qui retire les arrière-plans comme RemoveBG pour pouvoir retirer l'arrière-plan avant de le charger sur la plateforme Spreadshirt. Nous ici, on va directement télécharger en vectoriel notre design et sans arrière-plan pour pouvoir le charger et l'importer sur Spreadshirt. Et ainsi, notre design est prêt. Il sera sur l'ensemble de nos t-shirts. On peut même le redimensionner si on le souhaite. Et comme on peut le voir, il sera disponible sur différentes couleurs et décliné sur différents modèles. À noter, question juridique. Est-ce qu'on peut utiliser les designs Canva pour faire du commerce ? Eh bien, la réponse est donnée si on sélectionne n'importe quel design, qu'on va dans les informations, on peut voir qu'on peut utiliser ces designs à des fins marketing sur les réseaux sociaux et même pour vendre les produits qui portent ce design. Par contre, on ne peut pas revendre le design en termes de médias, il faudrait bien qu'il soit imprimé sur un t-shirt. Donc oui, vous pouvez utiliser les différents designs Canva pour créer votre t-shirt. Je rajouterai une condition, c'est-à-dire que, imaginons, j'ai juste mis le boolist seul, ça risque de ne pas passer puisque on considère qu'il n'y a pas eu création de votre part. Il faudra rajouter au moins deux éléments. Exemple, si je le mets dans un fond comme ceci, là, il y a eu création et je pourrais vendre mon design ou tout simplement comme j'ai fait juste avant, c'est-à-dire avec du texte sur le design. Voilà pour ce tuto. De mon côté, j'ai reçu mon hoodies Canva, ça va, la qualité est correcte. Et si tu passes par un site de print en demande, je te conseille de faire des comparatifs, des essais pour pouvoir par la suite proposer la meilleure qualité à tes futurs clients. Et pour tous les tutos autour de Canva, mais aussi tous les tutos autour des réseaux sociaux, rejoins-moi sur le labo des réseaux. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto.